Bonsoir à toutes et à tous. Marie-Christine Eustache, défi live Facebook. Alors, je sais plus, ça doit être 53, je crois. Je vais remettre les numérotations. Ça va pas être très long ce soir non plus parce que c'est vrai que je suis encore KO. J'ai dormi de 19h hier soir à 9h ce matin. Ça fait 14 heures de sommeil. Je me suis recouchée après avoir picorer quelques trucs, voilà, le circuit digestif est toujours au repos. Et donc j'ai encore dormi aujourd'hui pour me reposer. Et là ce soir on attend avec impatience que la chaleur extérieure soit inférieure à la chaleur intérieure de la maison pour ouvrir grand les portes, les fenêtres et tout pour avoir de l'air. Et oui, il fait très chaud ici à Nantes, on a passé les 41 degrés cet après-midi au thermomètre, donc ça fait très très chaud. Je passe mon temps à boire, je pense que vous aussi. Alors les astuces du jour par rapport à comment on fait pour tenir la chaleur. Déjà boire beaucoup d'eau, de l'eau. Moi j'ai rajouté du jus de citron dans mon eau. Et puis je me suis massé les jambes et les bras cet après-midi avec de l'aloe vera et de l'huile essentielle de menthe. Ça permet de rafraîchir, d'avoir une sensation de frais sur le corps qui est très 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 agréable. Donc je vous recommande pour demain, s'il fait encore aussi chaud. Voilà. Alors moi j'avais de l'aloe vera, mais sinon voilà une huile de massage classique ou si vous n'avez pas d'huile de massage, l'huile que vous utilisez en cuisine, ça va aussi, avec un peu d'huile essentielle de menthe, ça rafraîchit vraiment bien l'organisme, ça fait du bien. Et puis sinon, ben voilà, j'ai fait des exercices de respiration, les exercices pour évacuer l'énergie, pour sortir les toxines de mon corps, pour éviter d'avoir trop mal à la tête. Donc aujourd'hui, la petite forme encore, donc je vais aller me coucher de bonne heure aussi, après avoir pris une bonne douche. J'en ai déjà pris une dans l'après-midi parce que il fait vraiment trop chaud. Et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Profitez bien de la fraîcheur le soir. On ouvre grand, grand, grand les maisons, les appartements pour faire circuler et avoir de l'air frais. Et puis après, le lendemain matin, on ferme tout pour garder la fraîcheur au maximum à la maison. Allez, bonne soirée à tous et à toutes et à demain.